Donc, je vais vous parler rapidement de la campagne mondiale qui s'intitule « Qui sont les poissons ?» et de son point fort qui est la Journée mondiale pour la fin de la pêche. C'est une campagne qui est toute récente, elle a été montée en 2017. Donc là, on est à la troisième année où il y a une Journée mondiale pour la fin de la pêche. C'est une campagne qui a été montée avec l'aide et à l'initiative de l'organisation PEA pour l'égalité animale, qui est une association de Suisse romande, qui est une association antispéciste, qui organise beaucoup des conférences, des actions de rue, des enquêtes aussi dans les élevages, les abattoirs, etc. Mais c'est une campagne qui a été montée, qui a été conçue pour exister à l'échelle mondiale, parce qu'on se rendait compte que la question des animaux aquatiques peinait à émerger, non seulement au sein de la population, où tout le monde s'en fiche, mais aussi au sein du mouvement animaliste, et donc pas seulement en France, en Suisse, etc., mais à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que quand on parle de la question animale, on pense animaux vertébrés terrestres, et on ne pense pas animaux aquatiques, vertébrés ou invertébrés, on ne pense pas à eux. Et si un certain nombre d'organisations ont quand même un volet tract ou page sur leur site qui concerne par exemple les poissons ou des fois les crustacés, il n'y a jamais une campagne de menée vraiment qui essaye d'attirer l'attention du public de façon un peu soutenue sur cette question-là. Et c'est pourtant une question extrêmement importante parce que maintenant on a les chiffres depuis quelques années, c'est assez récent. Mais il y a eu un décompte qui a été effectué, qui a été difficile à effectuer, du nombre de victimes chaque année. Ça a été difficile à effectuer parce que, contrairement aux animaux vertébrés terrestres, ils ne sont pas comptabilisés par les organismes chargés de ça, comme la FAO, qui est l'Organisme des Nations Unies. Ils ne sont pas comptabilisés en nombre d'individus. Par exemple, on sait depuis très longtemps le nombre de vertébrés terrestres qui sont tués dans des abattoirs dans le monde. Aujourd'hui, ils sont de l'ordre de 70 milliards chaque année, ce qui est un nombre énorme. Mais les chiffres pour les animaux aquatiques étaient donnés en tonnes. Il y a 90 millions de tonnes de poissons pêchés chaque année. C'est un nombre qui stagne parce qu'il n'y a plus de poissons, donc on n'arrive pas à en pêcher plus. Ou si on en pêche plus, ils sont de plus petite taille. Mais voilà, 90 millions de tonnes, ça parle à personne, on ne se rend pas compte, etc. Donc il y a une organisation qui s'appelle FishCamp, qui a été créée exprès, je crois, par le CIWF, Compassion in World Farming, qui est une association anglaise welfariste, exprès pour essayer de dénombrer le nombre de victimes des pêches. Et au bout de plusieurs années de calculs assez ardus, avec les chiffres qui étaient donnés par les Nations Unies, ils ont abouti à une fourchette d'évaluation qui oscille entre à peu près 900 millions de tués chaque année et 3000 milliards de tués chaque année. Bon, entre-temps, il s'est avéré que les estimations sur lesquelles ils sont basés ne tenaient pas compte des pêches illégales et d'un certain nombre d'autres facteurs, ce qui fait que c'est une fourchette qui est à réévaluer vers le haut, malheureusement. Mais voilà. On a en tout cas entre 1000 et 3000 milliards de poissons qui sont tués chaque année, ce qui est à comparer avec les 70 milliards d'animaux vertébrés terrestres. C'est-à-dire que en parlant que des vertébrés, sans parler des autres animaux aquatiques sentients que sont les céphalopodes et que sont les crustacés, on a déjà à peu près 95% des animaux qui sont tués par les humains à des fins alimentaires qui sont des animaux aquatiques. Et pourtant, le mouvement animaliste n'en parle pas, ne leur consacre pas de campagne, etc. Donc c'est la raison pour laquelle on a voulu lancer cette campagne, ce qu'on appelle faire émerger la question aquatique, la question des animaux aquatiques sentients, donc sensibles à la douleur, qui ressentent des émotions, etc. Et on parle beaucoup des poissons, mais c'est aussi, ça concerne aussi les crustacés. On sait aujourd'hui que les homards, les crabes, les langoustes, les langoustines sont des animaux sentients. Il y a toutes les chances que les crevettes le soient aussi, malheureusement. Et puis, ça concerne les céphalopodes. Les céphalopodes, c'est des mollusques. C'est les pieuvres, les seiches, les calmars, qui sont des animaux sentients aussi, et qui sont même des animaux qui ont des capacités cognitives qui étonnent beaucoup les chercheurs.
et qui sont tués par centaines de milliards, peut-être plus, chaque année. Donc c'est des chiffres absolument incommensurables, absolument incroyables. Une image qu'on utilise souvent, c'est dire il y a 10 à 30 fois plus de poissons qui sont tués chaque année qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie. On estime à 100 milliards le nombre d'étoiles dans notre galaxie. Bon, ben, il y a entre 1000 et 3000 milliards de poissons qui sont tués. Donc il y a un paradoxe. On parle, en fait, le mouvement animaliste ou le mouvement antispéciste, par exemple, qui ne veut pas faire de distinction fondée sur les espèces, consacre la quasi-totalité de son énergie à se battre pour les animaux terrestres, qui nous paraissent plus proches, etc., et ignore quasiment totalement le sort funeste de l'immense majorité en fait, des animaux qu'on massacre. Et donc cette campagne, elle s'est basée sur des précédents, notamment il existait déjà une journée mondiale pour la fin du spécisme, et encore avant on avait créé une journée mondiale pour l'abolition de la viande, qui sont des campagnes qui proposent une journée d'action au niveau mondial, avec un discours bien particulier, hein, pour l'abolition de la viande. C'est un discours qui n'est pas simplement un discours pour favoriser le végétarisme, mais un discours qui propose une revendication politique qui est l'abolition de la viande, l'interdiction de la viande, c'est-à-dire de la production et de la commercialisation et de la consommation de chair animale. C'est des campagnes à chaque fois qui ont été conçues pour populariser un certain type de discours, un certain mode de militantisme. L'abolition de la viande, c'est un mode de militantisme, c'est une politisation de la question de la viande. C'est pas simplement, du coup, demander aux gens individuellement de choisir en leur âme et conscience de cesser de manger de la viande et de participer au massacre, mais c'est demander à l'ensemble de la société de prendre acte du fait que la consommation de viande est injustifiable et injustifiée et injuste, et du coup qu'elle l'abolisse. La journée mondiale pour la fin du spécisme, c'est une journée qui est consacrée à faire connaître la notion de spécisme et à la faire utiliser en tant qu'outil politique pour changer la donne pour les animaux. Et donc la journée mondiale pour la fin de la pêche, c'est vraiment à travers une journée d'action proposer un discours qui est centré sur les intérêts des animaux aquatiques eux-mêmes. Il ne s'agit pas de parler des dangers pour la santé humaine ou des dégâts écologiques, mais vraiment de mettre au centre les intérêts des animaux aquatiques, justement pour les faire émerger, et qui réclament la fin des pêches et des élevages aquacoles, pour bien montrer qu'il s'agit d'une question éthique, d'une question morale suffisamment importante pour demander l'interdiction de ces pratiques. Alors ces journées mondiales, elles s'adressent au mouvement animaliste en proposant des actions qui sont en direction de la population, mais la première cible, c'est le mouvement animaliste lui-même, qui n'utilise pas ses idées d'abolition de la viande, qui ne se réfère pas beaucoup à la notion de spécisme, ou qui ne lutte pas beaucoup sur la question des animaux aquatiques, qui ne parle pas beaucoup des élevages aquacoles, etc. Donc c'est une journée mondiale qui a été montée assez rapidement en 2015, avec beaucoup de matériel. Il y a eu une expo qui a été faite, j'en ai affiché une dizaine de panneaux, ils n'y sont pas tous là sur les murs. C'est une expo qui a été traduite en 5 ou 6 langues. Il y a eu un tract, il y a eu des banderoles, il y a maintenant des pancartes qui ont été faites, il y a des logos, il y a des bannières, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup de matériel comme ça qui a été fait en plein de langues. Et dès la première année, il y a eu, je ne sais pas, de l'ordre de 70 actions qui ont été faites dans une quinzaine de pays du monde. Et puis, ça augmente progressivement. Cette année, il y a une bonne centaine d'actions, avec quand même une grosse augmentation sur la France, où il y a quand même une cinquantaine d'actions qui sont menées. Et sur l'Allemagne, il y a une trentaine d'actions qui sont menées, ce qui représente plein de villes qui se mobilisent pour faire des actions. Et puis en France, des campagnes qui sont lancées par Paris Animaux Zoopolis, interdiction de la pêche à Paris, interdiction de la pêche au vif, et qui sont des campagnes qui ont permis de véritablement politiser la question des animaux aquatiques. Je ne sais pas si tu vas reparler de ces campagnes tout à l'heure. Oui, bon, bah, je ne vais pas m'étendre dessus. Mais qui ont vraiment réussi à faire que ça devienne une question politique, une question médiatique, etc.
Il y a un énorme effort qui reste à accomplir pour que, au niveau mondial, ça soit une question qui devienne aussi présente qu'elle l'est devenue en France ou en Suisse ou en Allemagne. Il y a une vingtaine de pays cette année où il va y avoir des actions de menées, mais ça reste souvent une action dans la capitale et on est loin de la mobilisation qu'on peut trouver aujourd'hui en France sur cette question-là. Donc c'est un boulot qui est en fait colossal de contacter les organisations, de les inciter à agir, de leur proposer du matériel, de leur proposer des argumentaires, etc., qui est à faire un peu tout au long de l'année sur cette question-là. Et donc le but, c'est que dans la culture du mouvement animaliste, la question des animaux aquatiques devienne une question qui est présente, qu'on cesse de dire il y a 70 milliards d'animaux qui sont tués chaque année, pour dire ben non, il y a entre 1000 et 3000 milliards d'animaux qui sont tués chaque année. Et là encore, quand je dis ça, ça passe sous silence les invertébrés. Pour que, quand on parle d'abattoirs, on parle aussi des abattoirs flottants que sont les navires de pêche, etc. etc. Il y a, quand on parle de viande, et ben, qu'on précise qu'on comprend aussi le poisson, entre guillemets, ou ce qu'on appelle les fruits de mer, etc. Et donc, c'est tout un travail qui est de type culturel, en fait, qui est, à mon avis, essentiel à mener si on veut un jour pouvoir, effectivement, combattre l'exploitation dont sont victimes ces animaux et espérer un jour pouvoir effectivement toucher les populations et obtenir qu'on en finisse avec quelque chose d'aussi meurtrier, quoi. Tant qu'on ne parlera pas de ces animaux et de ce qu'ils subissent, et ça sera évidemment totalement inimaginable d'envisager de réclamer l'abolition et d'envisager de passer à des types de sociétés ou de civilisations qui en auront fini avec l'exploitation animale. Donc voilà, c'est un exemple en tout cas de travail qui est mené sur le long terme, qui est pensé sur le long terme et qui vise à progressivement poser des jalons vers l'abolition. Et je dirais qu'on en était à l'année zéro de la libération animale pour les animaux aquatiques. On en est peut-être à l'année 1 ou à l'année 6 mois. Mais voilà, le chemin va être long à parcourir. C'est une longue lutte, c'est une longue marche. Voilà.